Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines, mes petits taureaux, sur la période allant du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'ai déjà fait 4 vidéos, donc pour 4 autres signes, pardon, hein, et je me suis trompée, effectivement, j'ai fait des guidances jusqu'au 2 novembre, mais c'est bien jusqu'au 3 novembre, donc si, voilà, vous avez été voir d'autres signes et que vous entendez parler de la date du 2, eh bien, oui, c'est une erreur de ma part, hein, c'est une guidance allant jusqu'au 3, au dimanche 3 novembre. Allez, c'est parti, mes petits taureaux, on va débuter avec un petit message des fées, hein. On va aller voir d'un point de vue général quel va être leur message qui va vous accompagner, amis taureaux. Pardon, excusez-moi. Donc, prenez bien ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, hein, les amis. Vous le savez, ce ne sont pas des guidances personnalisées. Je vous conseille aussi toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant et le signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, le message est fait pour vous, mes petits taureaux, hein, d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Ouh, elle a failli sauter, mais... Hop là, non, il y en a deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes filles, merci. Eh bien, on vous parle de motivation, amis taureaux. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Bon, là, on nous parle de l'approche du printemps, mais peu importe au moment où ce message ressort pour vous, hein, là, il va falloir se secouer, les petits taureaux, hein, parce que si vous voulez concrétiser vos souhaits, hein, eh bien, il va vous falloir passer à l'action. Donc, ça va passer par un peu de motivation, les amis. On n'a rien sans rien, hein, vous le savez. Allez, c'est parti, on débute avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à votre domaine matériel financier, mes petits taureaux, hein. Concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face. Allez, quels vont être les messages pour vous sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Allez, pour mes petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, on peut vous dire, concernant peut-être des travaux que vous devez faire, ça peut être des travaux concernant une maison, un appartement. On peut parler de travaux aussi sur une voiture, des réparations par exemple, là. Ok, et puis pour d'autres, on peut vous parler aussi du professionnel. Eh bien, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir parce qu'il y a des nouvelles positives qui vont arriver. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages de vos guides? Domaine matériel, financier. Alors, vous voyez, on a la lettre hein, qui ressort. Alors, on peut me parler, parler d'une lettre pour une femme, ok, pour une consultante du signe taureau. Hein. Là, j'ai des consultantes qui vont recevoir des nouvelles et puis ça peut me parler aussi des nouvelles par rapport à une femme. Hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne féminine, ok. Hein. Bon, on parle d'un accord, on parle de signature administrative. Hein. Donc là, on est sur des nouvelles administratives. Hein. Allez. 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits taureaux? Eh bien, vous voyez, pourtant j'ai remélangé les cartes, mais on est toujours sur la carte de l'étoile en dos de deck, hein, qui vous dit bien justement de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à ces nouvelles qui doivent arriver. Hein. Alors, on a le vaisseau, on a
les nuages, le soleil, magnifique. On a le chien et on a les oiseaux. Il est question pour vous peut-être, justement, vous attendez peut-être une réponse positive hein, concernant tout ce qui est papier, demande, dossier, signature, accord. On parle de mouvements, de choses qui bougent, qui avancent. Ça peut être par rapport à l'étranger, d'accord. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on est peut-être sur de l'administratif par rapport à l'étranger. Hein. La carte du vaisseau aussi nous parle d'un nouveau départ, d'accord. Alors, effectivement, hein, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un changement. C'est flou avec la carte des nuages. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude de quelque chose de positif. D'accord? Bien. En tout cas, on me dit que là, il y a un soutien. Vous êtes soutenu avec la carte du chien, hein, soutenu par rapport à une personne sincère, une personne de confiance. Ça peut être aussi un soutien des appuis de l'univers. Concernant des communications, des échanges, des discussions, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile et de garder espoir. Parce que là, ouais, moi pour moi, j'ai des nouvelles assez rapides hein, qui doivent arriver et ça concerne effectivement des conflits, des désaccords par rapport peut-être à une signature, par rapport à un accord. Ok ? Voilà, situation pénible. Hein. Des obstacles, situation pénible. Peut-être par rapport à des secrets qu'on a pu avoir pour vous. Peut-être des choses qu'on vous a cachées. Ok. Bon, en tout cas, les amis, faites confiance à votre bonne étoile. Il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. Allez, deux cartes. Oups là, je fais tout tomber, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la conclusion? Deux cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Ah ben, dites donc, hey, vraiment, là, vous êtes hautement protégé par le divin. Hein, vous êtes vraiment guidé, les amis. Hein. Bon, on a l'encre et on a le cœur. Bon, il va être question... Excusez-moi les amis, ça me gratte dans la gorge. Il va être question de retrouver une stabilité par rapport soit à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale ou même on peut me parler d'une stabilité pour un couple. Hein. D'accord? Bon, vous me direz hein, si ça résonne pour vous ou pas. Allez, en tout cas, c'est positif pour moi, hein, ami taureau. Hein. Allez, on continue, on va aller voir le domaine professionnel, les activités sur cette période. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Allez, professionnel, les activités pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages de vos guides? Pour cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Hein. Merci de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne. Hein. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Merci aussi pour vos petits commentaires les amis. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me font confiance. Merci vraiment. Alors, on a l'instabilité. Bon, on me parle d'une instabilité. Ouais, j'ai un consultant, des consultantes du signe taureau qui sont dans l'instabilité.
Il y a peut-être cette question justement de faire des compromis, de trouver un accord, d'être dans les conciliations pour sortir justement de cette instabilité, parce que là, on voit clairement que vous êtes renfermé sur vous-même. Hein. Vous êtes dans le mal-être. Ouais, on a le repli là. Allez, 5 cartes. Allez, pour nos petits taureaux. Bon, il y a de l'accusation, les amis. Alors, on a le retard, la trahison, la maison. Eh bien, dites donc. La jalousie. Et on a la projection. Alors, effectivement, hein, on peut me dire que par rapport à votre foyer, hein, vous avez peut-être été trahi à cause de la jalousie. OK? On voit clairement, j'ai la trahison, j'ai la jalousie. Alors, on me dit que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est retardé, il y a un retard sur des projets. OK? La jalousie peut représenter aussi la concurrence. Peut-être que vous travaillez depuis chez vous, d'accord? Et par rapport à ce travail que vous faites depuis chez vous, ou tout simplement peut-être que vous êtes chez vous dans l'attente de pouvoir sortir de cette instabilité, dans l'attente de pouvoir signer un contrat peut-être, hein? Eh bien, peut-être que vous vous sentez trahi, hein? Et j'ai la jalousie quand même, hein? Moi, j'ai l'impression qu'on me dit que vous avez subi une trahison à cause de la jalousie. Mais on parle quand même d'un retard, ok. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé par rapport à des projets. Moi, j'ai quand même... ouais, on me dit quand même qu'il va être question de vous projeter là. Hein. D'où la motivation, les amis, hein. Là, il va être question de concrétiser ce que vous voulez voir se réaliser. Hein. Et ça va passer par des actions de votre part. Hein. En tout cas, on parle d'accusation. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation, soit c'est vous qui êtes... soit c'est vous qui êtes dans l'accusation envers une autre personne, soit c'est une personne qui est dans l'accusation envers vous. À cause d'une séparation. Donc peut-être à cause aussi de la séparation d'avec un travail. J'ai l'enfant. Alors on peut me parler d'une séparation par rapport à vos enfants. Et là, on est en train de vous montrer du doigt par rapport à ça. Eh oui, des échanges, de la communication par rapport à une fatalité. Alors là, on peut être sur une correspondance hein, qui va arriver vers vous, hein, où il va être question de faire un déplacement. Mais on me dit que... vous allez pouvoir célébrer quelque chose là. Il va y avoir de la joie, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes pour la conclusion. Eh oui, hein, on a l'accusation. Hein. On parle de réunion.
Il va peut-être être question là, peut-être qu'il y a eu un entretien. Vous avez peut-être eu un entretien, d'accord, puisque la réunion peut nous parler effectivement d'un rendez-vous, d'un entretien pour signer un contrat. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais quand même la recouvrir celle-ci parce que pour l'instant, je ne peux pas vous dire si effectivement vous allez signer un contrat sur cette période. D'accord? Parce que moi, on parle quand même d'instabilité, hein. Alors, est-ce qu'on le signe ce contrat ou est-ce qu'on ne le signe pas tout de suite? S'il vous plaît. Eh non. Je suis désolée, les amis, mais il y a un échec, hein. Eh ouais, vous allez vivre ça comme une fatalité là. Soit il est question d'une réunion, d'un rendez-vous, d'un entretien pour parler peut-être d'un contrat de travail, pour négocier quelque chose au niveau d'un contrat de travail. On me dit que c'est un échec, y compris par rapport à une signature. Pour moi, ça ne va pas se faire, d'où l'instabilité, hein. Je suis désolée les amis, hein, mais ouais, j'ai un échec sur la signature d'un contrat, sur un accord. Effectivement, vous allez vivre ça comme une fatalité, hein. Ouais. Ça peut me parler aussi pour d'autres. Il est peut-être question de nouvelles concernant des voyages, des déplacements. J'ai quand même la joie par la suite. Mais là, sur cette semaine-là, mes petits taureaux, du 28 octobre en tout cas au 3 novembre, pour moi, il y a un échec concernant une signature, un accord. Bon, je suis désolée, hein. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, hein. Mais c'est pour ça que j'ai l'instabilité, hein. Pour moi, vous allez être encore dans l'instabilité, hein. Il va falloir se motiver là pour mettre des actions en place, hein. Allez, sentimental, relationnel, mes petits taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de posant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'un déblocage, du retour d'une personne. Quels sont les messages de vos guides? Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Bon, là, on parle. On me dit que vous êtes dans une attente là. Alors j'ai l'impression que par rapport à une attente, vous êtes blessé, ça vous blesse. On a le bien-être et on a le jardin d'enfants. Alors, on peut me dire que par rapport, peut-être, on peut être sur une personne plus jeune que vous. Il est peut-être question justement de retrouver du bien-être. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, hein, vous allez retrouver du bien-être grâce à vos enfants. Parce qu'on voit, vous êtes dans une attente. Il y a des blessures, vous êtes dans une attente. Et ouais, il va être question de retrouver du bien-être grâce à vos enfants. Allez, 5 cartes pour mes petits taureaux. On a les secrets. On a le break. Oh, le vampire.
l'allumeuse épée, l'espionnage, l'abondance. Là, on peut me dire que par rapport à une séductrice, bon, moi, on parle d'un break, hein, ça c'est sûr. Pour moi, vous êtes en break, hein, mais ce break, ça vous bouffe votre énergie. C'est quelque chose de très énergivore pour vous, hein. D'où le fait peut-être de vous raccrocher à vos enfants pour retrouver du bien-être. On parle d'une situation qui vous bouffe votre énergie, hein, par rapport à une séductrice. Ok ? On me dit que vous allez être dans l'espionnage parce que vous allez avoir besoin de savoir vous allez avoir besoin de savoir ce que vous pouvez obtenir. D'accord ? Parce que vous désirez, hein, on voit, vous voulez retrouver de l'abondance. Hein. Mais pour retrouver de l'abondance, pour obtenir ce que vous désirez, hein, ben, ça va passer par le besoin de savoir certaines choses. Pour d'autres, vous allez même être dans l'espionnage, hein, vous allez peut-être espionner votre autre. Hein. Parce que moi, j'ai les secrets quand même. Hein. Alors, on me dit quand même, hein, concernant des secrets, hein, ouais, est-ce que vous avez besoin de savoir si ce qui s'est passé avec ce séducteur-là, parce qu'on parle d'un homme quand même qui s'est conduit comme un séducteur, qui a eu des secrets, hein. Vous allez avoir besoin de savoir si c'est important ou pas. On parle de haut et de bas, hein, à cause d'un homme qui s'est conduit comme un séducteur. Hein. Mais il va être question pour vous, justement, d'aller de mieux en mieux. Hein. Allez, deux cartes pour la conclusion, mes petits taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour la conclusion ? Ouais, vous êtes dans la dépendance affective, vous. Ah, mais j'ai un rendez-vous. Ouais, je pense que ouais, vous allez avoir besoin de savoir, les amis, hein, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses par rapport à des secrets, par rapport à un homme qui s'est conduit comme un séducteur. Et j'ai un rendez-vous, hein, donc il va peut-être être question pour vous justement d'obtenir un rendez-vous avec cette personne-là. Bon, on voit qu'il y a le poids de la famille, hein, qui pèse sur vos épaules. J'ai l'ex, les nouvelles et le poids de la famille. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un ex ou une ex qui va donner des nouvelles. Hein, parce que il y a le poids de la famille qui pèse sur les épaules. Hein. Mmh. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, un petit message avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire de plus?
Eh bien, on vous dit, mieux vaut ne pas savoir. Bon, on voit que vous allez vouloir savoir des choses. Hein. Il va être question d'obtenir des réponses. Parce que vous avez le poids de la famille qui pèse sur les épaules. Vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Et là, la carte numéro 20 vous dit, mieux vaut ne pas savoir. Je vais vous lire le petit résumé, les amis. Hein. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question. Est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Bien, mes petits taureaux, merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.